Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est le cinquième jour que je suis en Chine et en fait, on s'en va à Shanghai. Je passais 4 jours à Beijing, puis là, on prend l'avion à 11h pour Shanghai. Hier, je vous ai pas finalement dit si j'avais apprécié ou non le souper de la fondue chinoise. Honnêtement, j'étais beaucoup trop fatiguée pour vlogger, genre en arrivant de la maison, en arrivant du souper, puis je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui, donc je vous le fais là. C'était pas particulièrement bon, honnêtement, là, puis je suis comme tannée de manger de la viande, là. On dirait qu'ils ont juste ça dans leur alimentation, de la viande, là, puis je suis comme tannée. Donc hier, j'ai pas vraiment mangé, j'ai mangé des légumes que j'ai trempé un peu dans mon bouillon. Puis c'est vraiment différent de chez nous, là, le bouillon, c'est... Je sais pas, on dirait quasiment que c'est de l'eau, là. Mais ouais, mais c'est ça. Là, il fait vraiment beau aujourd'hui à Beijing, à Shanghai, c'est toujours un petit peu plus pluvieux. Donc je me suis habillée genre avec des pantalons plus longs, là, comme vous voyez ici. Puis c'est ça, là je vais aller tout de suite dans l'autobus pour attendre, pour partir à l'aéroport. Je vais vous donner des updates quand on va être à Shanghai. Hello Elena Star, Elena Star. On vient d'arriver à Shanghai, je tenais juste à vous montrer la pollution. Je vous que c'est pas du brouillard là, hein? C'est pas qu'il fait pas beau, non non, il fait très chaud en ce moment. C'est de la pollution. On voit rien, 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 rien. Puis je vous dis que l'air est plus... disons qu'elle est moins respirable qu'à Pékin. Quoi? Ouais, c'est un peu plus pollué ici. Il fait non, 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 ça c'est pas pollué, c'est la chaleur. Donc là, on vient de rentrer dans l'autobus. Qui va nous amener, je sais pas où l'on va, hein? Je sais pas. Là, il est 4h20, puis on est comme vraiment mêlés, justement. Genre, je sais pas, on est où? Enfin, 4h45, parce que notre vol était à 11h, finalement, il était retardé à 2h. Plaisant. Donc, on est resté longtemps à l'aéroport à niaiser. Puis là, ben, on était supposé faire une promenade cet après-midi, mais là, on n'en fera pas. Fait qu'on sait comme pas, là, si, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va direct à l'hôtel, puis on attend pour souper? Est-ce qu'on fait une petite activité minuscule? Mais en tout cas, ce soir, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va souper. Puis après ça, on a un spectacle d'acrobatie. Ça risque d'être cool, là. Changement de programme, on va plus au spectacle d'acrobatie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va grimper. Ben, pas grimper, escalader, là. Mais on monte la tour que je viens de vous montrer. Vous savez comment j'ai peur des hauteurs? Je coûte tellement pas, là, genre... Freaking out! Shitting in my pants right now! On voit rien. Vraiment plaisant, vraiment plaisant. J'ai hâte. Tout le monde est vraiment excité et hâte de prendre des photos. Moi, je suis comme, on peut-tu s'en aller, s'il vous plaît? On peut-tu s'en aller? Please. Ça n'a pas de sens. Mais là, c'est moins pire parce qu'on ne sera pas à l'extérieur. Je sais qu'il y a une structure qui me soutient. Ça, puis le couloir de la mort, ça se ressemble. Ça se ressemble vraiment.
C'est quoi ça? C'est le countdown avant qu'on y aille? C'est les étapes. Oh Seigneur. Je sais, il y a combien d'étapes? On va monter directement 95. 95. Et après changer l'élévateur. Et après encore un ascenseur de 3 étages, on va arriver au 5e, ok? C'est fini? Ouais. C'est fini? T'as médecin, la mort est au bout du tunnel? Non. Oh, oh my god, holy shit. Oh, il y a des trous dans le plancher. Oh non, 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 non. Il y a des trous dans le plancher, il y a des trous dans le plancher. Non, 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 non. Bon, mais vous allez le voir avec un espace, ok? Parce que je suis pas capable d'avancer plus. Genre, allô? Allô, les autos, allô? Comment que le monde faut vous se mettre là-dessus, hein? C'est plus que j'ai la chienne. On a fini, on descend. J'ai vraiment été bonne, je suis fière de moi, gang. J'ai réussi 4 marches. Ouais, j'ai réussi à marcher sur le où il y avait genre la vue, puis qu'il y avait des trous. Comment on peut dire ça? Ben, des armoires où on voit juste par terre, donc ouais. Sans étage de vide. Dans le fond, là, les hauteurs, moi, je connais ça. Je connais vraiment ça. Non, donc, on est salé, les hauteurs. C'est tellement beau ici, là, regardez. Là, on est allé souper, c'était encore le même resto sérieux. Mais pas le même resto, là, mais c'était le même genre de resto, fait que j'ai pas vlogué, là, genre des tables rondes avec la bouffe qu'on partage. Là. On est un petit peu tanné de manger ça. Pas que c'est pas bon, mais c'est redondant. Là, c'est comme si je vous disais de manger des sandwichs toute la semaine, vous seriez tanné. Bref, là, on est arrivé à l'hôtel. On est dans un Holiday Inn, mais l'hôtel est tellement belle. Là. La différence entre Shanghai et Beijing, là, c'est que c'est vraiment... Genre, Shanghai, c'est vraiment plus moderne, puis Beijing, c'est plus traditionnel, puis genre, notre hôtel, là, c'est malade, là. J'ai jamais vu un beau Holiday Inn de même de toute ma vie, pour vrai, là. Je vais vous montrer ça, là, mais c'est fou. Mais ça, c'est notre chambre avec Lauriane. Allô? Attends, ok. Fait que ça, c'est le petit coin où je suis en train de vous parler à l'instant. Ça, c'est nos deux lits qui sont confortables, pour une fois, parce que l'autre, il était vraiment dur. Ça, c'est moi. Allô? Mais regardez, c'est beau. Le tableau, le petit meuble, puis tout le petit kit. Puis là, en plus, ici, là, okay, on est tous énervés de voir ça parce que on a tout un convertisseur là, pour nos prises qu'on rentrait dans ceux-là parce qu'il y avait juste ces prises-là à Beijing. Mais là, ces prises-là sont universelles. Fait que nous, on peut rentrer nos trucs puis faire charger plus de choses en même temps. Puis là, je vous amène à la salle de bain. C'est un petit peu plus petit que l'autre, là, mais pour vrai, genre, je m'en fous que ça soit plus petit. Avec un gros miroir, comme ça, on va pouvoir se préparer à deux. Allons! Pis la salle de bain qui est trop belle. C'est genre vraiment pas le même genre là. Checker le mur. Pis ça c'est notre douche. Fait que c'est vraiment cute, hein? C'est vraiment plus beau pis c'est vraiment plus occidental que l'autre chambre. Pis c'est ça, c'est nice. Fait que c'est ça. Là ce soir on avait une petite soirée off pis ça va nous faire du bien là je pense de s'installer pour vrai pis ça.
Puis demain, c'est une grosse journée encore, donc on va juste se coucher puis se relaxer. C'est ça, gang! Je vais vous revenir demain. Bye bye!